Nous saluons les auditeurs de la radio Parole de Vérité. Bonsoir à chaque ami qui déjà branché à suivre nous sur YouTube. Bonsoir à chaque membre équipe radio Parole de Vérité. À ou même qui peut-être c'est la première fois que vous avez rejoint nous, n'a pas dit que sur une émission qui est Vive en Santé, nous gagne comme objectif pour nous présenter quelques maladies, quelques conseils qui capable faire une série de prévention qui dépend de vous éviter attraper une série de infections pour éviter propagation une série de infections par ignorance. Donc c'est Shelby Christophe qui ensemble avec vous présente l'émission ça et je dis nous pour parler de l'autre infection qui a un rapport ensemble avec bouche nous fois ça. Nous allons parler de une infection que peut-être nous toujours parler de lui, nous toujours entendre mon parler de lui, mais si au vraiment vouloir être médical là devant nous, nous par contre si c'est de lui même y a parlé. Donc nous allons parler de muguet buccal. Ça qu'arrive que moi dit muguet buccal, yon l'autre monde dit muguet buccal devant ou pas de qui ça n'a parlé, alors que si on bagaille que n'a entendu presque chaque jour surtout en Haïti, muguet buccal c'est nous-mêmes haïtiens nous relé chanclette. Donc là n'a dit si mon n'a pas mettre barrette dans bouche li, pas mettre peine dans bouche li pour pas gagne chanclette. C'est ça qui relait muguet buccal. Je dis nous va laisser comprendre, nous va laisser comprendre origine, nous va laisser comprendre comment il réagit dans l'organisme un monde qui ça qui capable provoquer qui quelques précautions monde capable pour lui éviter petit li et lui même tout lui attraper muguet buccal parce que je ne pense que c'est seul qui est capable de faire chaque lettre là. C'est pas vrai. Adulte, tout le monde présente muguet buccal. Donc, je dis, nous allons essayer de comprendre en long et en large une façon pour nous capables d'essayer de limiter la propagation de la maladie. Pour commencer, qui s'appelle muguet buccal? Muguet buccal, lui-même, c'est une infection qui est causée par un champignon qui est naturellement présent dans la bouche. Nous. Donc, dans la bouche, nous avons un champignon qui est le candidat albican. Ou jouen champignon ça nan bouchou li nan tout digestif ou li nan peau li nan appareil génital ou donc li présent dans tout lieu ça yo mais li a l'état inoffensif normalement parce que même j'aime de présenter nos flore vaginale là moi te dis nous que flore vaginale là li gen une série de bactéries une série de micro-organismes qui là mais qui pas là pour faire nous mal qui joue un rôle très important dans flore là. Donc c'est déséquilibre que nous pral causer à travers habitude nous qui pral faire que nous attraper infection. Donc c'est même genre tout champignon ça lui même candidat li dans toute partie ça c'est vrai mais c'est peut-être une série de facteurs extérieurs qui viennent nuire qui pral faire que li provoquer une série de infection. Donc c'est même genre c'est façon que nous pral agir envers lui même à cause d'une série de bagages extérieurs n'a porté bali qui pral fait que li vinn faire nous gagne candidose et puis à partir de là nous vinn capable présenter muguet buccal là pardon qui relait chanclette là. Donc champignon ça lui-même les li fait face avec une série de prolifération les li fait face ensemble avec genre de déséquilibre ça yo li vinn fait que nous gagne candidose une infection qui relait candidose et à partir de là nous capable faire face ensemble avec chanclette. Qui sont yon moun qui présente chanclette réagi qui sont capable marquer ça le plus souvent c'est si moun noue qui fait le si moun nan fait muguet buccal ou après une série de petites taches une série de petites plaques blanchâtres dans l'angle à l'intérieur de joli comme si l'on regardait marche pas en dedans ou après une série de petites taches blanchâtres qui semblait ensemble avec une lettre qui caille comme si ouais si mon nagot trace lettre qui caille dans l'angle dans joli bouche li voulait paraître fissuré gonse de ces lésions rouges dans lèvres li. Donc tout ça c'est signe que si mon n'est capable présenter chanclette et si mon ça tout la vraiment des difficultés pour le nourrir pour le téter pour le manger ou pour le pas veut manger la crier parce que li présenter un petit brûlure dans bouche li avec dans gorge li. Li senti gorge li a brûlé le laisser tété, li senti bouche li a brûlé le tout le laisser manger. Donc même adulte là qui présente là c'est comme ça li senti que bouche li gorge li a fait mal, li gen difficulté pour le parler. C'est ça qui fait yon ti moun qui présente chanclette, li pas trop intéressé avec manger ou met a forcer le tété, il pas veut tété. Ou ka toujours vérifier si trace blanche ça ko wenn lan ti moun est-ce que c'est signe de muguet buccal lié. Ou ka toujours prendre un coton-tige
les cotons c'est un applicateur ou passer dans l'anglais et puis le passer coton tige dans l'anglais ou ouais que trace blanche là il paraît rebelle, il pas veut sortir, il résistant. Ça c'est peut-être signe que Timon ça l'a fait face ensemble avec muguet buccal parce que trace pas sortir comme ça. Qui quelques raisons qui capable faire que un Timon yon moun fait face ensemble avec muguet buccal, si n'a pas le d'un adulte. En pile fois la prise d'antibiotiques prolongée qu'on vient faire que ça vient paraître la caille moun parce que normalement pour muguet buccal vient présenter caille moun faut système immunitaire là faible, c'est ça qui premier facteur capable faire que moun nan li vient susceptible pour li attraper parce que les moun nan gagne un système immunitaire qui très faible li vient plus facile pour l'attraper. C'est ça qui fait si moun nan si bébé a le plus souvent c'est lui même qui présente chanclette qui fait nous même nous toujours comprendre que c'est timon seulement qui fait alors que c'est pas vrai. C'est parce que il y a plus timon qui présente, ça qui fait c'est plus timon qui présente c'est parce que yo même yo pour gagner un système immunitaire qui mature. L'aime parler de système immunitaire, c'est-à-dire tout ça qui vous ta mettre en place dans organisme li, qui pour ta défendre contre une série de attaques extérieures, li pour gagner assez yo pour assez mature pour défendre contre muguet. Donc, si toutefois ce système immunitaire moun sa qui pou ta trop faible, qui pou ta fait que li pa ka trop bien combattre contre muguet buccal, a plus forte raison yon moun qui présente une série de maladies qui attaque système immunitaire yo, tankou yon moun qui fait face avec infection VIH, moun sa li très facile pour l'exposer avec muguet buccal parce que système immunitaire li est défaillant à cause de infection ça. Yon moun qui diabétique, yon moun ki enceinte, donc jan de moun sa yo système immunitaire yo pas vraiment fort même avec yon moun ki pa présenter jan de maladie sa yo, donc moun sa wa pou li très facile pour le présenter chanclette pour le présenter muguet buccal. Et jan me dizil talè a yon moun ki a suivi yon traitement d'antibiotiques prolongé comme si li gon kanse tan exagéré que la prend antibiotiques régulièrement, ça capable agir qui vient provoquer muguet buccal lan, parce que antibiotique yo vin provoquer une sorte de déséquilibre contre champignon ça contre flore buccal lan qui capable faire que moun sa li présenter muguet buccal. Propagation infection capable faite de la mère à l'enfant et vice versa capable faite de l'enfant à la mère, parce que yon timoun qui présente muguet buccal pendant que la tété li vin facile pour li passer maman infection dans mamelon li n'a parlé de pointe Saint-Fien. Moun nan la vin remarqué yon série de traces rouges dans séance vin a balé yon couleur qui foncé, donc normalement la senti que gen yon irritation qui fait dans sen et li même tout même gentil mon a senti une série de douleur dans bouche li, c'est comme ça l'a senti une série de douleur dans sen li comme s'il senti que li gen yon douleur pénétrant dans mamelon li. Donc yon ti moun ki présente muguet buccal tout, c'est pas seulement dans bouche li pour capable comprendre ça, les si mon a fait façon ensemble avec muguet candidosa li capable présent dans fesse li, li vient présenter un érythème fessier qui est très spécifique, qui est facile pour comprendre, parce que leur après tirer couche timon ça leur changer couche timon là ou vin wè que li gen série de petits plaques roses dans fesse li et puis contour yo très foncé, yo on yo tout on petit tache tout on et puis yo rose yo ben en couleur rose et puis contour timon ça yo très foncé. Donc ça c'est un signe en plus capable montrer que timon ça la fait face ensemble avec muguet. De plus j'aime te dire là li ka ap tété et puis l'a crié ou bien elle commence tété ou elle courir râler tête li comme si c'est comme si un monde qui frappé li courir râler tête, il pas veut continuer tété alors qu'il pas habitué faire ça déjà. Donc ça c'est signe que li gen une douleur dans bouche li gen bagay qui gêne qui empêche le tété j'en te connait tété a. Donc nous de prêter attention ensemble avec ça yo, parce que si mon a fait face ensemble avec muguet et puis nous pas jamais comprendre ça, nous pas jamais suivre ça et puis nous pas jamais faire prise en charge nécessaire pour aider le combattre ça. Et fais attention tout pour
pour ne pas confondre muguet buccal ensemble avec un simple dépôt de lait. Parce que nous avons une tache blanche dans la langue de la et c'est juste parce que la tête est régulièrement et puis les tuyaux viennent déposer sous l'anglais et puis ils font une petite tache blanche et puis nous juste déduit que c'est chanclette si mon fait que c'est muguet buccal alors que c'est pas ça du tout. Donc j'aime te dire nous comme conseil nous capable toujours prendre un coton tige, c'est à dire un applicateur, nous prenons le passer dans la langue de la et puis si nous avons tâche résister, c'est que c'est mon ça effectivement la fait face ensemble avec muguet. Mais si nous voyons que nous juste passer coton légèrement dans l'anti mon que le sorti il nettoie normalement, ça veut dire que c'est trace lettre qui était après que t'a pété en pile, trace lettre là vient faire un petit dépôt blanche dans l'angle. Mais une fois que nous gettan gen preuve que Simon ça l'a fait face ensemble avec muguet buccal, nous est érythème fessier, nous est dépôt blanchâtre, nous sentir présence de gêne et de douleur la caille les met un bagage dans bouche li. Donc il est très nécessaire, il est très important pour nous médecins ensemble avec les pour ca pas gettan aggraver plus dans main nous parce que normalement ta doit yon infection qui pas provoquer trop complications quand nourrisson quand Simon. Mais si nous pas prend assez tôt, il capable toujours compliqué dans main nous. Donc ouais médecin ensemble avec lui qui capable prescrire une série de traitements capable aider le combattre ça juste pour ça pas nuit dans alimentation de Simon parce que normalement il pas suspend manger juste pour ne pas provoquer une série de barricade Simon à cause de cela. L'autre bagage encore capable faire que nous capable faire prévention de muguet buccal. Li propager par une série de changements. Premièrement, li très important pour ça que na bouche Simon nan nous traiter là avec soin. Tétine, suçon, biberon, tout ça qui li rapport ensemble avec bébé a qui pral nan bouche li, nous devons comprendre que nous devons bali un soin qui très particulier parce que non seulement si nous fait un mauvais soin de bouche li, nous met bouche li en danger, mais comme ça tout nous met organisme en danger parce que ça qui passe dans bouche li quand même ce système ni a pas attaqué. Donc normalement, toujours faire attention, est-ce que ça nan bouche Simon, est-ce que chaudé? Est-ce que nous bouillons de l'eau pour nous mettre en biberon li, tétini, suçon que li habitué mettre dans bouche li, tout ça qui prend dans bouche li, est-ce que nous baillons assez de soins? Comme ça tout éviter échange. Veillez si toutefois nous un quartier qui gagne qui comme si côté que nous plusieurs mon habiter, veillez qui ça la mettre dans bouche li parce que yon l'autre petit monde qui gagne muguet buccal et que ça sort dans bouche petit monde ça lui-même li mettre dans bouche li et puis propagation infection. Donc veillez qui genre de bagage la mettez dans bouche li parce que normalement nous connaissons Simon tout ça qui nan main yo pour yo même route direction qui premier côté pour aller avec ses bouche tout ça qui tombe dans main pas besoin qu'on salier. Donc c'est eux même qui défenseur, c'est eux même qui pour veiller qui genre y a traité bouche qui s'est entré dans bouche qui genre de échange fait ensemble avec l'autre Simon qui dans entourage. Parce que c'est un bagage qui propage tellement facilement. Ou quand on a un seul timon de fèl dans Kaila, et puis te gen 5-6 timon dans Kaila qui pral fèl parce que le partage que y a fait est capable de faire que dépôt de quantité de ça vient fait de yon avec l'autre. Et même ou même qui maman ka parle, ou pral prendre l'embouche li tout. Donc c'est problème pirate. Donc veillez comment timon a traité bouche li, prêtez attention à timon yo même si nous occupé, prêtez attention avec qui ça met dans bouche yo, avec qui genre de choses que yo a rentré dans bouche yo. J'aime content de n'a pas habitué dit le veiller pour si nous met barre dans bouche li, c'est pas seulement barre là, c'est pas seulement barre qui saute dans cheveux. Donc tout ça qui c'est un facteur extérieur qui est capable poser problème ensemble avec équilibre flore buccal là, tout capable provoquer candidose vin faire un dépôt dans bouche timon qui pral provoquer muguet. Donc prêtez attention avec qui ça timon a entré dans bouche li et prêtez attention à qui soin nous accorder avec ça qui a entré dans bouche timon avec biberon li avec tétini pas quitter tétini à terre et ni prendre la terre la rincer dans yon d'eau fap et puis mettez de l'eau mettez dans bouche li chaude biberon yo chaude tétini yo chaude suçon yo chaude tout ça qui capable praler dans bouche timon avec soin pour que c'est pas nous-mêmes encore qui porter muguet bali qui pral fait que li vinn gen difficulté pour le manger, li vinn a fait face avec une série de petits malaises qui pral fait le souffrir puis devant. Et j'aimerais te dire là
bon médecin, si ti moun nan ou ap kouri sou 24 heures avèl, li pa vle manje, li pa vle tete, l'ap kriye avèk douleur. Si ou gitan remarke plak blanchatre nan bouch li ou remarke eritem fesye nan fes li, donc ça c'est déjà suffisant pour un médecin. Ou même tout si vous sentez déjà infecté, ou sentez que mamelon li gen yon seri de taches rougeâtre tout, ou sentez que ou capable gen yon seri de petites douleurs qui viennent rendre que mamelon vin sensible, ou gen seri de aréoles qui présent là-dedans, ça suffit pour que ou même ou déjà ou pour un médecin tout, parce que plus prévention fait, plus comme si les traités bonheur, c'est plus ou vin travail pour éviter propagation imparfaite trop, pour éviter trop problèmes. Donc prêtez attention avec tout ça yo, fait ça qui dépend de nous hein, et puis tout bagaille va passer pour le mieux, parce que il y a plus bagaille qui dépend de nous que nous pas faire yo, et ça vient faire que si mon livin a souffri à cause de manque de vigilance. Nous remercions parce que tu as accordé nous temps pour t'étendre nous encore une fois. Nous connaissons que l'occupation est en pile, donc c'est toujours un privilège chaque fois qu'on a un petit temps pour écouter nous. Donc nous espérons que même gens, peut-être que je dis à vous même apprendre plus. C'est comme ça qu'on va partager l'émission avec nos amis, avec nos familles, pour lui même tout, pour lui apprendre plus, pour lui comprendre les bébés parler avec lui, des choses que peut-être qu'il pas comprendre avant, peut-être que Kounia l'a compris mieux, pour lui capable faire plus attention, pour lui faire prévention, pour éviter propagation muguet buccal. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble avec vous. C'est à une prochaine fois pour une autre présentation. Pas hésiter partager émission, pas hésiter poser questions tout si vous gagnez, parce que nous là c'est pour nous capable partager connaissance nous ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour infini envers nous. Merci parce que le fait encore te permettre nous ensemble aujourd'hui pour nous partager connaissance nous. Merci pour chaque fois qu'on bat nous chance pour nous expérimenter grandeur ou dans la vie nous. Chaque fois que on bat nous chance pour nous comprendre que façon que suprême dans façon que tout puissant pas gagner qui ca égaler, pas gagner qui ca comparer ensemble avec lui. Chaque fois que nous comprenons façon que corps nous fonctionner, tout travail qu'on fait dans nous, nous rendons compte que nous pas jamais ca fin comprendre grandeur, nous pas jamais ca fin comprendre façon que vous grand, façon que vous merveilleux, même création li témoigner qui est suivi. Merci parce que encore une fois vous te permettre nous t'apporter des conseils avec des amis, des familles dans une dimension que nous capables dans la mesure du possible. N'a demandé autant pour chaque jour ouvrir intelligence afin que yo capable faire plus précaution pour éviter une série de problèmes qui capable vin cause souffrance, souffrance petite, souffrance famille, aider chaque jour pour connaître comment pour prendre soin de tête, pour être capable répondre avec activité obligatoire chaque jour, et pour que si mon tout yo capable bonne santé pour porter la joie dans famille avec nous, protéger nous, protéger chaque membre équipe Radio Parole de Vérité. Nous lever devant spécialement directeur Amboise, n'a demandé chaque jour bali plus santé, bali plus inspiration pour que travail capable continuer, gens pour continuer fait. M'a demandé bénir nous chaque dans façon que nous besoin, faire des provisions nécessaires pour chaque cœur qui besoin dans moment, parce que on besoin nous chaque, ou on cœur nous chaque, ou on faiblesse nous chaque. N'a demandé chaque jour couvrir nous, mettez nous à se disposer pour que travail capable continuer fait avec l'amour, avec respect pour parole et avec intégrité. Avec nos pères, c'est prière que nous adressons nos prières au nom de Jésus. Amen.